Au tout début, c'était mon oncle qui faisait du basket et du coup, il nous ramenait des t-shirts, des ballons de basket, des shorts et tout et tout. Et puis, bah, je me suis dit, pourquoi pas en fait. Puis voilà, ça a commencé comme ça. J'ai plusieurs sports en tête, mais je me suis dit basket parce que vas-y, avec mes frères qui faisaient du foot et mon oncle qui faisait du basket, et c'était un peu le seul dans la famille qui faisait du basket, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon, moi j'ai pas envie de faire du foot. Donc pourquoi pas aller voir un peu le basket et tout. Puis je me suis intéressée, et puis c'est comme ça que c'est parti. Faut juste être déterminé. Si t'es déterminé et que tu sais ce que tu veux, tu sais que tu peux y arriver, tu y crois, ok, c'est bon. Seul point négatif dans le basket, c'est ton mental. Parce que si t'es pas forte mentalement, ça sert à rien que tu fasses un sport, même le sport en général. Et c'est là en fait qui fait la différence. Si tout le monde te traite de merde et t'arrives sur le terrain, tu dis pas bon, je vais leur prouver le contraire, et que toi aussi dans ta tête t'es en mode ouais, je suis une grosse merde, de toute façon tout le monde le dit et tout, tu vas pas jouer un bon match. Ton match il est foutu, c'est fini. Même aux entraînements, c'est foutu. Mais si tout le monde te traite de merde, tu te dis bon, ok, je vais leur prouver le contraire. Et que t'arrives, t'es déterminé et tout dans ta tête, ça se passe bien, tu vas tout niquer. Tony Parker qui a demandé à Kobe comment il faisait en fait pour pas être frustré pendant le match. Il a dit delete, supprime. Du coup, moi je me suis dit, bah, ok, je loupe un truc, ok, je supprime, c'est bon, je passe à autre chose. Après, voilà, on avance. Je fais les choses petit à petit parce que si tu veux faire tout d'un coup, tu vas pas y arriver. Du coup, mon tout premier objectif, c'est juste bien défendre sur la personne et me dire, ok, ça c'est bon, c'est fait. Prochain objectif, maintenant, tu vas au palier comme elle. Tiens, dans ma vie, j'ai vraiment encaissé plein de choses. Du coup, je me dis, les autres, on s'en fout un peu. Prends ton mental, ça va très bien.